Ah, vous êtes là? Ah, tcho tcho les petits loups! Bienvenue, welcome avec Taskiller 85. Genre, je me suis fait surprendre, t'as vu? Bon, j'espère que vous allez bien. Allez, j'éteins mon Galaga. Oh, je suis fan, j'adore ce truc-là. Bon, c'est à moi, ça, hein. Je fais ce que je veux. Hein. J'ai le droit d'être un enfant, vous le savez. Bref! J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va s'amuser un petit peu. Je vais vous montrer, je vais vous montrer ce que j'ai reçu et ce qu'on va voir bientôt. Il y en a certains que vous connaissez déjà. Et surtout, je vais vous parler d'un petit engin génial. Pas cher pour les enfants ou pour ceux qui veulent s'éclater. Parce que franchement, au tout début, je me suis dit, pourquoi refaire un engin comme ça? Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Et en fait, il a des choses super sympas de nouveau. Et j'ai vraiment envie que vous vous amusiez avec moi aujourd'hui. On va pas se prendre la tête, c'est super simple à utiliser. N'importe qui va pouvoir le piloter. Je vous présente le petit Redpo R012. Vous connaissez Redpo, vous vous souvenez? Le petit R011 qu'on avait fait, qui avait tant de patates et qui fonctionnait plutôt bien. Eh ben, Redpo ressort avec le R012. Je vais vous montrer ça tout de suite, parce que franchement, ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil. Restez connectés les enfants, vous allez adorer, j'en suis sûr, et ça vaut une misère. Il est disponible normalement sur Amazon. .fr, j'essaierai de vous avoir le lien pour demain. Coupon, je ne sais pas, je ne pense pas, parce qu'il est déjà vraiment pas cher. Et sinon, il peut être trouvable, je pense, sur d'autres sites. Je vous mettrai ça dans la description si j'en trouve d'autres. Bref, en tout cas, celui-ci m'a été envoyé par Redpo et qui travaille sur Amazon.fr. Donc, livré rapidement et avec les garanties Amazon, bien sûr. Sinon, très bientôt, le petit Météor qui est là de chez Hobbymate. J'ai hâte. Il fait beau maintenant, il faisait un temps pourri ce matin, et ils annoncent de la flotte pour tout à l'heure, donc j'ai pas osé y aller, mais il faut absolument que je vous montre ça. Sinon, très bientôt, on va se voir ensemble le petit Diatone R349 qui est là. Il est mignon comme tout, franchement, quel beau petit bébé. Je l'ai reçu il y a à peu près, allez, je vous mens pas, une demi-heure, trois quarts d'heure à tout casser. J'ai juste eu le temps de mettre le récepteur dessus et de le binder. J'ai pas encore fait la config, mais on va très bientôt le voir. Il promet, franchement, il a un châssis carbone pour un 3 pouces qui est béton, qui est franchement costaud. Ça a l'air d'être vraiment un beau petit joujou, donc j'espère qu'il nous réservera pas de mauvaises surprises. La stack, c'est la Mamba, vous le savez, mais en 20-20, donc normalement pas de surprise. Bref, bientôt le petit Diatone R349 qu'on va voir ensemble. Également le petit VRD3 que j'ai reçu en même temps par Banggood. Merci Banggood. Donc le petit Echin VRD3, bah écoutez, on va voir ce qu'il vaut, on va voir ce qu'il donne, parce que ça reste un masque premier prix en apparemment diversity. On va voir si c'est du réel diversity ou pas, et surtout si l'image est correcte, si il est confortable et qu'il a une bonne autonomie et qu'il capte bien. Voilà, c'est surtout ce qui nous intéresse sur un masque, donc on verra ça bientôt, le Ishin VRD3. Aujourd'hui, je vous montre le petit Redpo R012, c'est parti. Donc voilà ce que vous aurez dans la boîte. Donc bien sûr, le petit Redpo. Alors je sais pas à quoi il ressemble. C'est moitié un tétard mélangé avec une chauve-souris, je sais pas trop. En tout cas, il est mignon comme tout. Il a des petits ailerons là sur les protections d'hélice, c'est assez rigolo. Donc bonne petite tronche, mais surtout il marche bien, vous allez voir. Et je vous parle tout de suite de ses possibilités, parce qu'il a des capacités un peu particulières. Une radiocommande basique, mode 2, avec retour de force, donc maintien d'altitude. C'est pour ça aussi que je vous dis qu'il est vraiment fait pour les débutants ou pour les enfants, parce que cette radiocommande n'est pas indispensable. Vous allez voir. Je vous en reparle aussi. On trouvera bien sûr une notice, et comme ça vient de chez Amazon, c'est une notice en 300 pages, parce que vous avez plusieurs langues disponibles, dont le français. Page 26 à 38, qui vous détaille super bien le petit produit. Donc pas besoin d'être bilingue pour pouvoir utiliser l'engin. Salut Charles. Charles Ingalls. Et il y a sa fille qui va se marier. Marie va se marier. Waouh. Comme si on ne savait pas. Sinon, on va retrouver dans la boîte également le petit chargeur en USB ici. 4 hélices de rechange ici. Et un petit tournevis cruciforme. Non, c'est pas un marteau, c'est bien un tournevis. Et batterie, alors vous aurez deux batteries, j'en ai une installée dessus, et la deuxième qui est là, c'est livré avec, hein, j'ai pas eu de cadeau particulier. Donc des petites batteries 3,7V en 300 mAh, qui donnent une bonne petite autonomie. Vous allez voir, c'est un engin qui consomme pas des masses, donc je pense qu'on a au moins 4-5 minutes d'autonomie facile avec ce petit appareil. Bon, les spécificités, je sais que vous l'attendez.
parce qu'il est vraiment spécial. Alors, cet engin, je vous le dis après. D'abord, la télécommande. La radio, pardon. Donc, petite radio mode 2, tout simplement. Aucun appui sur les sticks. Donc, on a le throttle ici et la rotation, bien sûr. Et le pitch avant, pitch arrière, comme ça. Et le transversal droite-gauche sur le stick de droite. Ça, je le dis pour les débutants. Ensuite, on a plein de petits boutons ici. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Ceux de droite, alors ce sont des trims exclusivement. Donc les deux du haut, ce seront le trim avant-arrière. Vous savez que si, quand vous le faites décoller, une fois que vous avez calibré, bien sûr, je vais vous montrer comment le calibrer. Une fois que vous l'avez calibré bien à plat, si jamais il se déporte un petit peu, par exemple en avant, eh bien là, vous devrez faire un peu de trim arrière, donc avant-arrière. S'il se déporte sur la droite, vous devrez faire un peu de trim à gauche avec celui-ci, donc droite, gauche ici, il correspond à ce stick. Et on n'a pas de trim sur la gauche ici. Les boutons, c'est simple, vous avez le décollage automatique en haut, l'atterrissage automatique en dessous. Le bouton, le troisième, c'est les différentes vitesses, vous avez trois vitesses différentes. Et en dessous ici, le mode headless, parce qu'il y a aussi un headless mode. Bon, ça, c'est fait. Là, bien sûr, c'est le bouton de mise en route. Ça, c'est le témoin de mise en route. Et on a deux petits boutons sur le dessus ici. Donc celui de droite va vous servir à faire les flips et rolls automatiques. Donc un appui sur le bouton et une direction. Et vous allez voir, l'engin fait des flips et rolls magnifiques. Franchement, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi propre et net sur des petits engins comme ça. Ça fonctionne, oui, je vous dis à quoi il sert celui-là, j'arrive. Ça fonctionne avec trois petites piles LR03. Tac. Alors ce bouton-là sert à activer ou désactiver les détecteurs infrarouges. Eh ouais, il y a des détecteurs infrarouges. Ça vous troule, enfin bref, ça vous surprend. Donc cette radio va servir à le piloter, bien sûr. À tout moment, vous pourrez activer ou désactiver les détecteurs infrarouges. J'en viens à l'appareil. Le voici, le Bay Bay. Donc petit Redpo R012 et on voit, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, je vais essayer de mettre à la lumière ici, on voit ici une espèce de petite diode sur l'avant, une espèce de petite diode sur le côté droit, la même chose, et sur l'arrière, la même chose. Et si on le retourne, en dessous, on a également deux capteurs ici. Alors ça, ce sont des capteurs infrarouges, des diodes, tout simplement, qui vont permettre l'anti-collision. Eh ouais. Il est plus fort que DJI Phantom 4 Advance, il a des détecteurs de collision sur tous les côtés. Donc il est vraiment fait pour les enfants. Donc bien sûr, n'allez pas le projeter contre les murs, parce que les détecteurs fonctionnent, mais ne vont pas le faire freiner si vous l'amenez à pleine puissance contre un mur. Par contre, si vous le laissez voler tout seul, ou si vous vous approchez tranquillement d'un mur, il va s'en éloigner sans problème. Il n'y en a pas sur le dessus, vous allez me dire. Donc, on va pouvoir le faire monter, le stick ici de throttle, soit en mettant sa main en dessous, automatiquement, il va prendre à peu près 30 cm d'altitude, de hauteur, pardon. Une fois qu'il va toucher le plafond, ou s'il est trop haut, vous attendez une dizaine de secondes et automatiquement, il va redescendre tout seul à votre niveau, tout bêtement. Alors, je vous disais, il peut fonctionner avec la radio, mais il peut aussi fonctionner sans. Oui, si vous n'allumez pas, alors je vous conseille quand même d'allumer la radio, ne serait-ce que pour le calibrer, et aussi pour le mettre en vitesse 1, d'accord ? Ensuite, vous pouvez éteindre la radio. Et, est-ce que je vous montre directement ? On va pas allumer la radio, si, je vais l'allumer, je vais vous montrer comment faut faire. C'est simple, donc les petites batteries se glissent bien sûr en dessous, ça vous l'avez compris. On a du pH 2.0, hop, pour les connexions. Il se branche en dessous directement et là on va le poser à plat. Tac. Donc on voit qu'il clignote rapidement ici et là maintenant il clignote par intermittence. Ça veut dire qu'il est prêt à voler. Je peux vous faire une démonstration tout de suite sans la radio. Regardez. Je le prends ici et je le secoue. Bim. C'est parti. Et donc il vole. Alors il va redescendre un peu, il reprend de l'altitude automatiquement. Je vais le laisser faire. On va voir ce qu'il fait. Vous voyez, j'ai pas fait les trims, j'ai pas fait le calibrage, donc il drift un peu à gauche. Et là, hop, automatiquement, il est repoussé. Ah là, il va se coincer. Ah là, ça y est, il est coincé. Alors là, je vais l'aider. Je le retourne. Là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vais le calibrer de façon à ce que ce soit plus propre. Donc j'allume la radio.
Tac, tac. Là, les lumières sont fixes. Donc, il est appairé avec la radiocommande. Maintenant, je vais faire une calibration quand même. Donc, je crois que c'est les deux en bas à droite. C'est ça. Donc là, il a clignoté. Il s'est calibré. Maintenant, décollage automatique. Alors, vitesse, je vous ai dit, c'est le troisième ici, en partant du haut. Vitesse 2, vitesse 3, vitesse 1. On est en vitesse 1. Donc maintenant, je vais le faire décoller et je vais poser la radiocommande. Tac, il a touché l'ampoule, mais on s'en fiche. Vous voyez, déjà, il est plus stable. Alors, je vais me lever et on va jouer un peu. Je mets ma main derrière. Alors là, il se passe rien. Vous avez vu? Parce que j'ai pas activé, là, il se pilote avec la radio. Maintenant, j'active le mode détecteur infrarouge. Je maintiens appuyé. Tac! Automatiquement, il s'est éloigné du placard, enfin, de l'étagère. Je mets ma main derrière. Hop et ma main sur le côté. Ma main sur l'autre côté. C'est instantané, je trouve ça génial. Et regardez sa stabilité, c'est impressionnant. Je passe la main en dessous. Hop, un petit décollage. Encore. Il monte un peu plus haut. Et automatiquement, il redescend. Voilà. Faut attendre quelques secondes simplement et il redescend à peu près à 1 mètre sous le plafond, un petit peu moins d'un mètre. Allez, maintenant c'est parti, on va le diriger. Alors bien sûr, on peut se faire des passes si vous êtes deux, un qui pousse. On va aller le rapprocher du mur là-bas. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà, je le pousse encore un peu. Hop, automatiquement, il s'écarte. Et voilà, vous l'avez compris. Vraiment anti-collision, il se rapproche du mur, hop, il s'éloigne, il a détecté la télé, il est remonté. Là, il se repousse de l'angle, ici. Donc là, il est un petit peu haut pour qu'on l'attrape, bien sûr. Donc on va attendre un peu. Là, il se rapproche du mur, il se rééloigne. Donc évitez de le faire monter trop haut, hein, parce que c'est pas évident, c'est pas marrant pour les gosses s'ils n'arrivent plus à le toucher. Donc si jamais vous voulez l'arrêter, il vous suffit de l'attraper et de le retourner. Hop, on le retourne ici. Et ensuite, pour le refaire décoller, une petite secousse. Hop, tout simplement. Voilà, c'est reparti. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Hop. Franchement, je trouve ça marrant. Voilà, ça évite les contacts, tout simplement. Alors, je vais reprendre la radiocommande pour finir la batterie. Parce que vous avez toujours le contrôle, même quand il y a les détecteurs activés. Ça veut dire que je peux me diriger vers le mur ici, et il va le sentir, et il va se repousser automatiquement. Allez, je me dirige vers le mur, hop, il repousse. Et maintenant, je vais désactiver, hop, en maintenant ce bouton-là. Là, il n'y a plus du tout les détecteurs infrarouges. C'est désactivé. On va se tester les petits flips. Alors là, vous voyez, il a un petit drift sur la droite. Attendez que je regarde. Voir s'il est droit ou pas. Oh, il est plutôt stable quand même. Je reprends un peu d'altitude. On va se faire un petit flip. Allez, roll droit. Roll gauche. Vous voyez, il prend un peu d'altitude et il se restabilise. Flip arrière. Il vient par là qu'on te voit mieux. On va le mettre à la hauteur des yeux. On va essayer un flip avant ici. Yep là. Roll gauche. Parfait. Donc voyez la stabilité, je vous ai pas menti. Hein. Allez, on se fait une petite balade. Vitesse 2. Donc au niveau de la rotation, là je suis en vitesse 1. Je passe en vitesse 2. Légère accélération. Vitesse 3. Encore un peu plus d'accélération. Donc les vitesses jouent sur la rotation et sur les inclinaisons, bien sûr. Et voilà, c'est parti pour une petite balade. Alors autant vous dire qu'il est super précis. On a une petite LED verte à l'avant et une rouge à l'arrière pour pouvoir le repérer. Donc là je suis à fond hein, je pense, ouais. Donc même en vitesse 3 hein, c'est pas un foudre de guerre, mais par contre qu'est-ce qu'il est précis. Et dès qu'il y a un choc, on va se prendre un mur. Bam. Voilà, dès qu'il est un petit peu en oblique, automatiquement il coupe les moteurs. Donc ça sauvegarde les moteurs. Alors après on peut redémarrer. Là ça serait bien de lui faire une petite calibre. Tac. Donc après démarrage ici en maintenant le bouton du haut, décollage automatique, ou alors simplement en le secouant, tout simplement. Hop. Donc là je le redescends, je l'arrête et je peux le secouer et le poser en l'air, tout bêtement. Donc bien sûr hein, ça fonctionne pas hein, tant que vous n'avez pas activé
le détecteur infrarouge, ça ne fonctionne pas. Alors on peut aussi le faire fonctionner sans allumer la radio, hein, je vous l'ai montré. On va faire un atterrissage automatique. Tac ! Et il coupe les moteurs. Alors, franchement, c'est pas fun. Allez, j'éteins la radio. Et je vais mettre la deuxième batterie. Là, il commençait à clignoter. Donc je pense qu'on était arrivé en fin de batterie. Quand il n'y a plus de batterie, de toute façon, il clignote. Et au bout d'un moment, il se pose, hein, bêtement. Tac ! Donc bien le mettre à plat, une fois que vous avez branchez la batterie, vous attendez la fin du clignotement rapide, voilà, là il fait des séquences de clignotement, et là c'est parti, un petit squage, et automatiquement, il est en mode détecteur infrarouge parce qu'on n'a pas allumé la radiocommande, et voilà, non, je veux que t'ailles par là, oh là là, cascade. Et il se balade tout seul en fait, il est repoussé automatiquement, et il va se balader, sinon, voyez, il descend, au bout de quelques secondes, si vous n'y touchez pas. Et bien sûr, quand il arrive près d'un obstacle qu'il détecte en dessous, il remonte. C'est vraiment fun. Vous voyez, il descend. Là, il détecte pas d'obstacle. Il va se faire coincer entre les chaises. Non, c'est pas, ça passe. Moi, je trouve ça fun. Je pourrais faire ma review en le laissant voler à côté de moi. Je vais voir jusqu'où il va aller et quand est-ce qu'il va se croûter. Donc bah écoutez les amis, voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, moi le petit Redpo, yaha, il s'éclate, il fait sa vie tout seul. Le petit R012, moi je surkiffe. Franchement, j'adore. Encore une fois, pour les débutants, pour les enfants qui veulent un joujou, bam. Allez, cascade, il est cassé. Donc ouais, franchement, c'est fun, non? Allez les amis, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Donc si j'ai le temps, je mets en route le Diatone vite fait, je lui mets les hélices et je fais un petit décollage devant la maison, juste pour voir s'il vole. Il se bagarre avec le décor. Et juste pour vous le montrer en vol devant chez moi, vous savez que j'irai pas loin, j'ai pas le droit, mais juste pour vous montrer qu'il fonctionne bien et vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Arrête ton cinéma toi. On se retrouve très bientôt dans mes vidéos, surtout portez-vous bien. Et donc voilà les amis, c'est perturbant quand même. Hein. Ça y est, il se barre. Salut R12. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Moi, il me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Surtout, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt dans mes vidéos. Merci, ciao ciao. Bon, t'as pas fini, non? Viens ici. Viens ici. Bon, comme promis, petite mise en route du Diatone. Alors, j'ai qu'une 3S. Malheureusement, j'ai pas de 4S suffisamment petite. Il faut que j'en commande. On va voir ce que ça donne déjà en 3S. Let's go. Vous êtes prêts? Bon allez, je vais pas vous laisser là-dessus. J'ai mis une sangle un petit peu plus grande. J'ai pu passer une batterie 4S 750 mAh. On va voir s'il y a une petite différence, vite fait. Ready? Joli petit bruit.